Olá a todos, estamos no Centro Herminiano, hoje uma noite que será inteiramente virada para uma angariação de fundos que Madame Sona Olivier, deputada provincial pelo Partido Liberal, está à procura para a sua campanha. Ora, estou com um candidato à liderança do Partido Liberal no Quebec, apoiado pela Madame Sona, é o Sr. Frédéric Beauchemin. Vamos então saudá-lo. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous attendez ce soir? Ce soir, je m'attends à rencontrer tous les supporters de Sona. Sona qui représente le Parti libéral du Québec ici même dans Chemédé. Et donc, Sona, on peut le voir, a été capable de réunir au-dessus de quasiment 300 personnes ce soir. Donc, mon objectif, c'est de rencontrer toutes les personnes, leur parler du Parti libéral, leur parler de la plateforme pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, dans laquelle je suis candidat. Est-ce que c'est nécessaire à faire? Bien, la chose, c'est vraiment de rencontrer et être à l'écoute des citoyens. Essayer de comprendre quels sont les enjeux pour que je puisse mieux les porter en moi puis être capable de mieux représenter les intérêts de tous à l'Assemblée nationale. Donc, ici, on va s'entendre que tous veulent réussir dans la vie. On parle de développement économique, on parle de faire partie de la société québécoise parce qu'un Québécois, c'est quelqu'un qui a choisi de s'installer ici au Québec, qu'on soit né au Québec ou pas. La définition d'un Québécois, c'est ça. Donc, avoir fait le choix de vivre au Québec, c'est des gens qui sont courageux de le faire. Donc, c'est ça que je suis ici pour les représenter à l'Assemblée nationale. Je vais les représenter pour le Parti libéral du Québec. Que vous voulez dire que vous êtes le meilleur ou l'unique personne idéale? Je suis le candidat clé en main dans le sens que je suis déjà un élu à l'Assemblée nationale. Donc, le lendemain de la course à la chefferie, je pourrais déjà être au travail, donc à l'Assemblée nationale à Québec. Je suis quelqu'un qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le monde des affaires. Et puis, bien, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir être à l'écoute des citoyens pour s'assurer qu'ils peuvent être très bien représentés. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'une chose, qu'en 2026, on n'ait pas le mauvais gouvernement actuel, qui est le gouvernement de la CAQ, qui soit plus au pouvoir. Ce qui est important, c'est que le Parti libéral du Québec soit l'alternative crédible, que les Québécois de tout partout à travers le Québec vont devoir voter pour qu'on puisse gagner. Je vous souhaite bonne chance. Un gros merci à vous. Merci. Bonne soirée. Vous le savez sûrement, dès mon plus jeune âge, j'ai eu le goût de m'impliquer en politique pour défendre les droits des personnes et la valeur en laquelle je crois profondément. Le Parti libéral du Québec a été une évidence pour moi, au point de m'impliquer à la Commission jeunesse dès l'âge de 18 ans. Je suis profondément reconnaissante et fière du parti que je représente aujourd'hui. Oui. Pour moi, le Parti libéral du Québec représente la liberté de chacun et l'inclusion. Je suis un exemple, une fille d'immigrante qui a grandi ici et je me suis sentie inclue. J'ai étudié ici, j'ai eu tous les droits comme n'importe qui et je suis députée aujourd'hui. Donc, c'est possible au Québec. C'est possible d'avoir la liberté et l'inclusion. Donc, merci Québec de nous avoir accueillis. Ora, estamos então aqui com a Madame Sona Olivier, é deputada provincial de Chomedy, pelo Partido Liberal. Vamos então saber o que é que se passa aqui dentro desta sala. Bonjour, Madame Sona. Bonjour. Vous êtes belle. Merci beaucoup. Vous êtes rouge. Merci. Le rouge, c'est libéral. Ah, c'est libéral, c'est sûr. Oui. C'est le prochain gouvernement du Québec, libéral. C'est quoi la parole ce soir dans la salle? Aujourd'hui, le message, c'est que l'argent qu'on paye, les taxes que nous payons,
c'est mal géré en ce moment. Donc, quand on n'a pas service d'un médecin, quand il n'y a pas une clinique d'urgence, on peut marcher, rentrer, amener nos enfants parce qu'ils ont un bobo, mais ça veut dire que le gouvernement a manqué à sa job. Donc, il ne gère pas bien l'argent des citoyens. Ce sont notre argent. Ils doivent bien gérer, nous offrir la médecine gratuite. Bien, on n'a jamais vu tant de services manquants. Donc, ce gouvernement a échoué. Major time. Je sais comment on travaille tous les jours sur tous les dossiers. Et puis, on voit tous les dossiers, ça ne marche pas, ça ne va pas. On n'a pas accès à une clinique d'urgence. Ce n'est pas normal qu'on ne peut pas aller marcher à une clinique puis avoir accès à un médecin. Moi, là, quand j'avais mes jeunes filles, I would just get up, well, you know, the nose is running, sick, coughing, what I do? I go to the clinic. I had two in Chamonix. I would just go and wait 2 or 3 hours. Yeah, we complain. Look at now. We have no access to a clinic. And everything is centralized, and it's not working. The system is not working. Believe me, I tried this here so many times. And the Liberal Party at the opposition, we do everything. We bring it in front. And the news media, they started talking bad about the government of today. It's because of the Liberal Party of Quebec. Major time. J'ai remarqué aussi que vous êtes préoccupé à cause de division de la langue. Quand on ne parle pas français, ça veut dire qu'on ne parle pas l'anglais. Ce n'est pas la même chose. Ce qui m'inquiète, ce premier ministre divise la population. Moi, je parle 5 langues. Le français, c'est ma 5e langue. Et puis, avec la loi 101, le français est protégé. Tous nos enfants parlent le français. Mais quand les gens entendent d'autres langues, ils disent « Ah, ils ne parlent pas français ». Ben là, c'est parce qu'on parle de 3 langues. Moi, je ne vais pas parler avec ma mère français. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas le français. Le français, c'est la langue de la province. Bien sûr qu'on connaît. Tout le monde qui vient ici sont fiers de connaître la langue française. On adore ça. Mais là, c'est parce que moi, je trouve que ce gouvernement fait de la boucane pour cacher son... ça manque de gérance. Comme, ils promettent 3e lien, il n'y a pas de 3e lien, il n'y a pas de plan, il n'y a rien de réfléchi. C'est pas un bon père de famille, comme ils l'ont dit longtemps. Donc, c'est juste la boucane dans les yeux. Où sont les médecins? Où sont nos urgences? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est cher? C'est mal géré. Et mettre la faute sur les autres. Agence Santé Québec. Agence Santé Québec, ils vont mettre des millions, des directions qui vont faire 600 000, je ne sais pas combien ils vont faire. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est que ça ne marche pas bien, il n'y a pas de médecins, on crée plus, mais on est dans le déficit des milliards. Et le Parti libéral du Québec, en 2018, lorsqu'on a perdu le gouvernement de Philippe Couillard, avait laissé presque 8 milliards dans les coffres du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des promesses, des chèques d'élection, promesses électorales, ils ont acheté leur vote. Fait que les 8 milliards ont disparu et on a mis un autre 11 milliards. Donc, ce bon père de famille gère mal cette province et tout est cher. Et tout passe au municipal, bien, les municipalités, les agences, ils vont augmenter les frais à la SAQ, les taxes. Mais ce n'est pas un bon gouvernement, ce n'est pas un bon père de famille. Acheter sur le mortgage de la maison et aller en vacances toute l'année, puis des milliards, non. Non, il faut qu'on fasse tout pour que le Parti libéral du Québec, c'est le seul choix de revenir au pouvoir dans 2 ans. Parce qu'en ce moment, ça fait 2 ans, il n'y a rien qui va. Rien ne va plus. Vous êtes aussi tellement impliqué que le message passe dans la salle, que le monde comprenne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça, je voulais absolument expliquer à ceux qui m'aiment, qui sont là ce soir. Je veux leur dire, je vous écoute. Et moi, je fais partie. J'habite ici. Donc, moi, je ressens la même chose que vous ressentez. Je vous écoute, je suis à l'écoute. Et j'apporte ça tous les jours à notre table.
le Parti libéral, bien, comme tous les partis, on a des réunions tous les jours, on parle de nos besoins et on apporte des projets, des lois. Tout est refusé. Refusé. Et vous voulez faire mieux? On veut faire mieux, mais ils ne nous laissent pas. Ils nous bloquent. Ils nous bloquent parce qu'ils sont majoritaires. Donc, on a besoin de reprendre le contrôle de la province et bien gérer la province. Ne pas faire des promesses électorales, ce n'est pas correct. Les gens ne sont pas stupides. Il ne faut pas les prendre pour les stupides. Nous, là, on représente les citoyens. Moi, je dois, je me dois, qu'est-ce que je fais? C'est mon devoir de représenter les gens de Chomedey. Mais quand je représente bien les gens de Chomedey, bien, je représente bien les Québécois. C'est quoi dire que les régions, Montréal, c'est mauvais. C'est division, mais la division, là, les Québécois n'aiment pas. Les Québécois de toute origine n'aiment pas la division, n'aiment pas la chicane. Puis ce gouvernement ne fait que ça parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il gère mal. Parce que les citoyens, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Je suis là. Je vous représente. C'est les cultures qui font la différence. Ben oui. Donc, on a un gros problème avec ce gouvernement. Tout est cher. Et tu ne peux plus magasiner dans les épiceries les moins chères. C'est difficile. Maintenant, il n'y a plus à 99 cents la livre de raisin. C'est 199, tu sais, 1,99. Il n'y en a plus 99. C'est parti, fini, bye-bye. Mais si tu achètes le lait, les œufs, la viande hachée, c'est 90 $. Tu n'as rien acheté, 4-5 morceaux. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, absolument. Le gouvernement ne donne pas l'opportunité afin que les garderies privées travaillent bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des garderies privées. Les CPE, quand il y a de la place, ils prennent les enfants et ils envoient là. Mais là, la différence, on va détruire les petites et moyennes entreprises. Les CPE, les garderies privées, on va les perdre. Déjà qu'il n'y a pas de place. Donc, c'est vraiment mal géré. On a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de solutions, suggestions. Ce gouvernement nous bloque tout le temps. Donc, la seule façon, là, la bleue ne fonctionne plus. Il faut aller à la rouge. Cette situation s'est aggravée cet été avec les inondations causées par la tempête de Déby, qui ont durement frappé notre communauté. Ma propre famille, ma mère et mon frère, comme beaucoup d'entre vous, a été directement touchée. Cet événement a révélé à quel point nos infrastructures sont défaillantes et combien il est urgent d'agir pour éviter de nouvelles catastrophes. C'est pourquoi j'ai proposé des solutions concrètes avec mon parti. Nous avons demandé un mandat d'initiative sur la résilience de nos infrastructures face aux phénomènes climatiques extrêmes. J'ai remarqué que les gens n'étaient pas au courant de qu'est-ce qu'ils devaient faire. Parce que c'est pas tout le monde qui s'en va écouter les nouvelles. C'est pas tout le monde qui savent quoi faire parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Donc, on a fait un organigramme et une lettre. On a envoyé à notre liste des citoyens qu'on avait pour leur dire « voici quoi faire ». Donc, il faut vider le sous-sol, quoi faire. Donc, l'organigramme, il fallait s'inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, bien, c'est trop tard pour la ville parce que la ville voulait savoir quelle rue a été touchée le plus fort pour savoir comment trouver des solutions et demander à la province de faire les paiements nécessaires. Mais mis à part ça, il y avait le gouvernement du Québec, il y a le site, il faut aller s'inscrire. Si vous ne l'avez pas fait ou si vos amis ne l'ont pas fait, dites-leur. Et si vous voulez cet organigramme et cette lettre, on vous l'enverra avec un grand plaisir. Parce qu'à part les assurances, il y a le gouvernement du Québec qui va s'assurer de couvrir une partie. Donc, malgré tout ce qui se passe, le gouvernement peut demander à la ville pour respecter le COP 29, le COP, il y a eu tellement de numéros, il faut que vous apportiez ces changements. Mais la ville, des fois, va dire, oui, mais avec les inondations, là, j'ai besoin de changer les tuyaux parce que ça fait plus que 60 ans qu'on n'a pas changé certaines rues.
Mais là, ça prend le GBS, le gros bon sens. Le gouvernement ne peut pas travailler en silo. Il faut qu'il travaille en équipe. Et ça manque beaucoup en ce moment. Et nous, avec le Parti libéral, je sais qu'on va pouvoir apporter. Parce que nous, on a le mandat d'initiative que j'ai dit, c'est un jargon politique. Ça veut dire qu'on demande au gouvernement de tout de suite faire une commission, étudier et donc avoir une statistique, avoir la liste des problèmes, les rues à problème et les solutions qu'on doit apporter. Parce que les villes ne peuvent pas rien faire si le gouvernement provincial ne donne pas d'argent. Qu'est-ce que la ville va faire? Est-ce qu'ils vont augmenter nos taxes encore? Mais non, il faut que le gouvernement provincial fasse sa part. Donc nous, en tant que Parti libéral du Québec, opposition officielle, on a fait cette demande au gouvernement. On attend la réponse. Madame, à la fin de cette soirée, c'est juste pour avoir des fonds pour vous faire votre chemin au niveau de la politique, continuer la route? Exact. C'est que en notre démocratie, à tous les ans, il faut ramasser des sous pour se préparer dans 4 ans pour les élections. Parce que l'année d'élection, bien, quand ça part, bien, tu n'as pas le temps de ramasser les 45 000, 40 000 que tu as besoin pour les pancartes, location de salles. Donc, faut à tous les ans, et c'est une excuse de garder le contact avec les citoyens. Donc, c'est un rapprochement. L'année dernière, j'avais 130 personnes à ma levée de fonds. Cette année, c'est 280, presque 300. On a doublé. Donc, les gens commencent à venir voir. Ils veulent écouter. Ils veulent m'appuyer. Ils croient en moi. Ils me suivent sur Facebook. Il y en a qui me voient dans les centres communautaires. Donc, je suis partout à l'écoute des citoyens. Avec un grand plaisir, vraiment. Et on vous souhaite bonne chance, bonne route, madame. Et j'aime vous voir en rouge. Merci beaucoup. J'aime le rouge. Vous êtes belle. J'aime beaucoup le rouge. Et à la fin, j'aimerais bien vous dire merci beaucoup au nom de mon mari. Écoutez, c'est vous qui a présenté, vous donner des cadeaux à reconnaissance. Ben oui. On est très reconnaissant d'avoir des gens comme vous qui sont impliqués dans la communauté. Et vous continuez la culture portugaise à la communauté portugaise qui se retrouve au Québec et en Amérique du Nord. Et ce, plus de 20 ans, c'est sans relâche. Vous êtes partout, je vous vois partout. Et vous assurez que les citoyens sont au courant de tout ce qui se passe au niveau provincial ainsi qu'au niveau communautaire portugais. C'est très important parce que ça fait du bien. Parce qu'on a des aînés, là, ils ne parlent pas français et anglais. Ils ont besoin de se sentir chez eux. Les voisins ne sont pas nécessairement des Portugais, mais vous écoutez, ça leur fait du bien. Et donc, la culture, c'est important, la continuité. Et vous faites un travail extraordinaire. Et pour cette raison, j'ai préparé un certificat, malgré que j'étais à un mariage à Québec. J'ai envoyé mon attaché politique afin de représenter à votre événement et vraiment souligner le travail que vous faites. Ce n'est pas évident ce que vous faites. Il faut qu'on vous reconnaisse. Il faut qu'on la souligne. Bravo, lâchez pas, je vous souhaite un autre 20 ans sans relâche parce que la culture est importante. Bravo. Et merci beaucoup de cette reconnaissance, madame. On apprécie beaucoup votre amour que vous nous donnez aussi parce que vous regardez de loin, mais maintenant c'est proche. Ça fait du bien au cœur. Je suis contente de vous apprécier. Ça me fait plaisir. Je suis contente, je vous ai découvert. Depuis ma campagne électorale, depuis 2 ans, vous êtes toujours présent à mes événements. Merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Portugais à Chamédie. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur langue. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. On a plus à enrichir le Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous êtes la bonne personne pour faire la route. Ah, oh, je l'aime. Oui, c'est bien, c'est bien. Continuez, on vous appuie. Merci beaucoup. J'apprécie votre appui. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci.
É assim, desta forma, que temos aqui a mensagem da Madame Sona Olivier, que trouxe o reconhecimento para Montreal Magazine. O trabalho do produtor e realizador Alberto Carlos Feio é sempre atento e é esse mesmo lugar que ele tem nesta comunidade. A gratidão pela nossa deputada provincial, a Madame Sona, que representa muito bem a Chomedy. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.